Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ma nouvelle vidéo My Life as a Teacher, j'ai envie de vous parler de comment valoriser l'école auprès des enfants. Et ça, je pense que c'est autant le rôle des parents que des enseignants. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des trucs que vous soyez parents ou dans le milieu de l'enseignement. Puis pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Ben en fait, je trouve ça important de donner le goût à l'école aux enfants parce que ça permet une meilleure réussite scolaire. Et puis ça évite le décrochage scolaire parce que les enfants qui aiment pas ça aller à l'école, ils ont pas nécessairement envie d'y aller puis ils ont pas nécessairement envie de poursuivre de hautes études, donc je trouve ça important de mettre toutes les chances de notre bord puis de montrer aux enfants que c'est le fun puis que c'est important d'aller à l'école. Si c'est pas déjà fait, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran. Ça va vous permettre de recevoir des notifications chaque fois que je mets des nouvelles vidéos en ligne. Et vous voulez être abonné à ma chaîne parce que cet été, le nombre de vidéos va drôlement augmenter parce que je vais être en vacances puis je vais avoir beaucoup plus de temps pour filmer pour vous, donc je vous invite à le faire maintenant. Je vais commencer la vidéo en donnant 5 trucs si vous êtes prof ou bien tout autre métier connexe là, qui est relié à l'enseignement pour donner le goût de l'école aux enfants. Le premier truc que je trouve super important, c'est d'être rassurant et compréhensif face aux difficultés des enfants parce que si on les prend pas au sérieux puis on les ridiculise, mais les enfants n'auront pas envie de venir nous poser des questions. Puis ils vont juste s'enfoncer dans leurs difficultés. Fait que je trouve que leur donner l'air approprié puis d'être compréhensif puis de leur dire que c'est normal d'avoir des difficultés puis que c'est normal de demander de l'aide, je trouve que c'est super important. Mon deuxième truc, c'est d'encourager et de miser sur les forces. J'ai des élèves dans mes classes qui sont en difficulté puis chaque fois qu'ils font un petit effort, chaque fois qu'ils réussissent une partie de problème ou un problème ou une activité ou quoi que ce soit, chaque petite réussite, je les encourage, je les félicite, je donne des collants, puis je mise vraiment sur les forces pour qu'ils se rendent compte que, ben oui, même s'ils ont de la difficulté dans telle matière, ben ils sont pas complètement poches à l'école. Donc je trouve que c'est très important de les encourager puis d'être là pour eux. Mon troisième truc pour les profs, c'est de faire des activités qui sont intéressantes et motivantes, d'essayer de sortir un peu du papier crayon assis à notre bureau. À la longue, ça devient plate, ça devient démotivant, on a juste plus le goût de faire les activités si on est tout le temps dans le cahier. Fait que sortir un peu, jouer avec du matériel, se lever dans la classe, montrer des vidéos, des images, des livres, peu importe, mais sortir de l'enseignement traditionnel là, avec notre papier et notre crayon qui peut devenir souvent redondant et très plate. Je trouve que c'est une manière de motiver les enfants si on fait des activités qui sont intéressantes. Je sais que c'est pas toujours facile à trouver, là. Il y a des matières que, tu sais, bon, on n'a pas le choix de prendre le cahier puis c'est comme ça. Mais je trouve qu'il y a moyen de rendre toutes les matières puis tous les thèmes intéressants pour les enfants puis qu'ils aient le goût de participer. Mon avant-dernier truc pour les profs, c'est de créer un bon climat de classe. Donc que les enfants se sentent bien dans notre classe, que ce soit chaleureux, que tout le monde se sente important à part égal, à la limite qu'on ait l'air d'une mini-famille. Je trouve qu'en ayant un bon climat de classe, puis en étant juste nous, en étant joyeux le matin, puis d'être content de les voir, ça leur donne le goût de venir à l'école le matin parce qu'ils se sentent bien dans la classe, puis ils se sentent bien avec l'enseignant qui enseigne à l'avant. Et je trouve que c'est important de créer un climat de petite famille, si on peut dire ça comme ça. Mon dernier truc, c'est d'être à l'écoute des enfants. Je trouve ça hyper important quand l'élève prend la peine de lever la main ou de venir à votre bureau ou de venir vous raconter quelque chose sur la cour de récréation, d'être à son écoute à lui, puis pas d'être en train de faire autre chose, puis pas genre le renvoyer à sa place comme « oh oui, c'est beau, j'ai compris », de l'écouter puis faire un suivi, que ce soit pour un conflit, un problème ou une difficulté ou un angoisse que l'enfant a. Je trouve ça important de faire un suivi puis à la limite de retourner le voir le lendemain et de dire « Hey, finalement, ça s'est passé comment ton cours hier? » Puis « Hey, finalement, ça n'a pas été si pire l'examen? » Ou « Puis est-ce que ça s'est réglé? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Donc, je trouve ça important d'être à leur écoute puis qu'ils se sentent, eux, importants pour vous. Maintenant, pour ce qui est des trucs pour les parents, ils sont un petit peu différents parce que les parents et les enseignants travaillent tous les deux avec les enfants, mais à des moments différents puis dans des contextes différents. Donc, mon premier truc pour les parents, ce serait de lire devant vos enfants ou avec vos enfants. Donc, évidemment, quand ils sont plus petits, vous faites souvent la lecture avec eux là, avant le dodo puis tout ça. Puis ça, je trouve ça super important pour donner le goût à la lecture aux enfants. Puis quand ils deviennent plus grands, ou même quand ils sont tout petits, lire devant eux. Tu sais que vos enfants vous voient le samedi matin en train de lire un livre dans le salon ou lire un livre à l'extérieur durant l'été, ça peut le faire réaliser que « Hey, si ma mère ou mon père le fait, peut-être que c'est le fun, peut-être que c'est intéressant, moi aussi je vais le faire. » Donc ça peut les motiver, là c'est sûr que c'est plus pour la lecture que d'autres choses, mais je trouve que ça peut les motiver à comprendre l'importance de la lecture.
Mon deuxième truc pour les parents, c'est d'avoir une attitude positive face aux devoirs et aux leçons qui sont envoyés à la maison. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur ce sujet-là très bientôt, les devoirs à la maison, là, parce que j'ai quand même une opinion différente, si on peut dire ça comme ça. Mais si vous avez une attitude désagréable, que vous n'avez pas envie de faire les devoirs avec votre enfant, puis que ça cause des conflits, ben c'est sûr qu'il n'aura pas envie de les faire. Puis s'il les fait pas ou s'il les fait mal, ben il va avoir peut-être des conséquences à l'école, puis là, ben comme c'est une roue, puis c'est ça. Fait que c'est pas le fun. Donc, même si vous n'êtes pas d'accord avec les devoirs, même si vous trouvez ça plate, même si vous trouvez ça long à faire, d'avoir une attitude positive, de faire « Hey, tiens, viens, on va faire un petit 15 minutes de devoir, là, ça sera pas long, puis on va le faire ensemble, je vais t'aider. » Ça peut aider l'enfant à avoir cette période de devoirs et de leçons-là de manière plus positive, puis qu'il ait plus envie de le faire que si vous avez une attitude comme « pas encore les devoirs ». Fait que je pense que ça peut grandement aider. Ma troisième astuce pour les parents, ce serait de travailler en équipe avec le prof de votre enfant, ou bien s'impliquer dans la classe ou dans l'école pour montrer à votre enfant que vous êtes intéressé à ce qu'il fait. Mais travailler en équipe avec le prof, c'est tellement important parce qu'on est deux adultes qui travaillent avec le même enfant. Et puis, je trouve ça important qu'il y ait comme un suivi entre l'école puis la maison. T'sais, si c'est passé quelque chose à la maison, le prof veut le savoir, ça peut jouer sur l'attitude de l'enfant. Puis si c'est passé quelque chose à l'école, qu'on l'écrit à l'agenda, ben ça serait fun qu'il y ait un suivi à la maison. Puis, je pense que l'enfant va avoir une attitude un petit peu plus positive si jamais il arrive avec, par exemple, un message dans l'agenda, puis que là, le parent fait « Ah, pas encore un message dans l'agenda. Gars, je vais te le signer, là, laisse faire ce qu'elle te dit à l'école, gars, je vais te le signer, là, puis ça va être correct. » L'enfant peut prendre son prof moins au sérieux à ce moment-là, puis ça peut, tu sais, jouer sur son attitude en classe, puis je trouve pas ça super intéressant. Fait que c'est vraiment, vraiment important que les parents puis les profs soient comme ça pour travailler ensemble pour la réussite des enfants. Le troisième truc, c'est vraiment facile, c'est tout simplement s'intéresser à ce que votre enfant fait à l'école. Poser des questions, participer dans les projets, si jamais il y a des choses à faire à la maison pour l'école, l'aider, participer, s'impliquer. Tu sais, des fois, les parents sont invités à l'école, allez-y, tu sais, ça peut faire un lien famille-école puis tout ça, mais vraiment s'intéresser, tu sais, hey, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ta journée? Qu'est-ce que t'as le moins aimé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Etc. Je t'ai posé des questions, puis il existe des documents sur Internet, si je me trompe pas, de plein de questions farfelues que vous pouvez poser à votre enfant là, à l'heure du souper ou en revenant de l'école par rapport à sa journée. Parce que l'éternelle question « Comment ça s'est passé aujourd'hui? » c'est sûr qu'il va tout le temps vous répondre « Bien » parce qu'il a juste pas envie de vous répondre. Mais je mettrai peut-être le lien, là, si je le retrouve, de ce document-là avec des questions vraiment drôles à poser. Mon dernier truc pour les parents, ce serait de ne pas chicaner vos enfants lorsqu'ils ont des mauvais résultats à l'école, que ce soit dans leurs examens, dans leurs activités ou dans le bulletin. Tout ce que ça peut faire, en fait, c'est de créer un stress chez l'enfant qui aura plus envie de vous parler de ce qu'il fait à l'école, qui aura plus envie de vous montrer ses examens, puis aura plus envie de vous parler de ses difficultés. Ça va être gênant pour lui, puis ça va causer un stress. Donc, au lieu de le chicaner quand il y a des mauvais résultats, ben cherchez plutôt une solution pour lui venir en aide, parce que clairement, s'il y a eu un mauvais résultat, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il a pas compris la matière. Donc, au lieu de le chicaner, il faudrait peut-être plus chercher à l'aider. J'espère que ma vidéo d'aujourd'hui vous a plu. J'espère que ça a pu aider des profs ou bien des parents qui sont à l'écoute de mes vidéos. Je trouve ça vraiment important de valoriser l'école auprès des enfants pour favoriser une meilleure réussite scolaire. Et puis si cette vidéo-là vous a plu, je vous invite à laisser un pouce en l'air. Ça va m'encourager beaucoup. Puis si vous voulez voir d'autres vidéos de cette série-là, je vous invite à cliquer sur le lien. Je sais pas c'est où qui va vous envoyer directement vers la playlist de toutes les vidéos My Life as a Teacher que je fais depuis le début de cette série-là. Puis ben, c'est ça. On se revoit la semaine prochaine. Bye!